Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur zéro à net TV. Avant toute chose, veuillez nous excuser, on a eu des petits problèmes techniques. C'est pour cela que exceptionnellement ce zéro en lavé' de n'est pas en direct. Il est en léger différé, mais on a malgré tout voulu être avec vous pour fêter les 10 ans de l'iPhone. Jérôme, bonsoir. Oui, je reprends la pause. Ah oui. Salut François. Parce bonsoir que pour à tous. Ça fait une demi-heure qu'il est comme ça. Il commence à avoir des. Je fatigue. Des crampes. Et oui, qu'est-ce que tu as entre les mains, Jérôme Ça me dit quelque chose de loin comme la ça. La star de la soirée, c'est cette petite chose que j'ai entre les mains. Alors, euh, l'exemplaire que j'ai là, je peux te dire qu'il a vécu. Hein, il est bien usé de partout. C'est l'original, c'est le tout premier iPhone, sorti il y a exactement 10 ans. C'était en juin 2007. Alors, au menu de ce 01 live hebdo spécial, 10 ans de l'iPhone, bien sûr, on va revenir sur cette révolution, sur le paysage de l'époque avant l'iPhone. Qu'est-ce qu'il y avait C'était quand même assez drôle. Et puis, avec M euh, Pierre Fontaine, qui est ici. Ici, dans ce studio, on s'intéressera justement aux, aux petites anecdotes sympathiques qui ont euh, marqué quand même le, la création de ce smartphone. Bien sûr. Et puis ce smartphone qui, et c'est pour ça qu'on en parle, a révolutionné, on peut le dire, la mobilité, même d'une manière générale, je dirais le paysage high tech. Alors on va bah écouter passer en revue ces dix années, comment a-t-il évolué cet iPhone, et puis même par rapport à la concurrence, qu'est-ce que ça a changé, euh, le fil de ces dix années d'iPhone. Et puis on s'intéressera aussi au futur quand même, l'avenir de l'iPhone 8 tout à l'heure, à quoi pourrait-il ressembler nos fins limiers On ouais. met des enquêtes, on a peut-être quelques éléments. Et même de le 9, le 10, etc. Alors le, ça ouais. va être un peu plus compliqué, on va déjà se compter en 8, On euh, ne pas tout, hein. on va voir, on va voir. Bon voilà, zéro live, spécial iPhone, on ne pouvait pas passer à côté, merci d'être avec nous, c'est parti. Et pour débuter, notre question 01 net orange qui est forcément liée à l'actualité. <laughs> Qu'attendez-vous du nouvel iPhone, du futur iPhone qui sera présenté à la rentrée Allez, on a choisi arbitrairement euh, trois caractéristiques. Dites-nous celles qui vous intéressaient le plus un capteur d'empreintes sous l'écran, un écran bord à bord ou bien la reconnaissance faciale Ah Allez-y, votez et on fera un point sur les réseaux sociaux et non pas dans ce zéro en live, puisque nous vous le rappelons, nous sommes en léger différé exceptionnellement ce soir en raison de petits problèmes techniques. Pour mais voter, tvcom Tu as bien raison de le signaler. Pierre Fontané et euh, Eric Le Bourlou sont là. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ah ouais, on a sorti la team iPhone. Ah ouais, non, mais là, la team iPhone, franchement. Les plus vieux là, de l'équipe. Ah, Allez, bon, avec nous. voilà. C'est bon. pas vrai. C'est pas, pas vrai. On, aim pas on aimerait vrai. dire que c'est pas vrai. Ils étaient là en 2007, nous aussi d'ailleurs. On avait 7 ans en 2007. Ouais. Ouais, ça va, ne te vende tout, pas, Pierre. Un tout petit peu plus. <laughs> un petit peu plus. Ah, mais... Bon, les amis, c'est quand même un, voilà, un événement important, ces 10 ans de l'iPhone. On va peut-être revenir à la, bah, à la genèse, comme dit Jérôme, au oui, tout la début euh, de, de, la, de la création de cet iPhone. Euh, peut-être avec toi, Pierre, pour commencer sur les, comment dirais-je, les petites. Euh, voilà les petits, les petits secrets de fabrication. Euh, parce pourquoi que bon, Apple voilà. a t il pourquoi Apple s'est-il lancé dans cette, dans cette aventure finalement Alors pourquoi, En fait il voilà. en fait, y, y a des tonnes de raisons et euh, selon, selon qui on écoute il y a des tonnes d'explications. De, il euh, y a une chose qui est certaine c'est que euh, au tout début du, du retour au pouvoir tout de Steve Jobs de Paléolithique. Voilà Exactement. au <laughs> Crétacé. Non mais donc au, au, au retour c de Steve Jobs dans, au début donc euh, on va se retrouver rapidement au début des années 2000. Il euh, y a une équipe euh, qui va se constituer un petit, une, une équipe qui correspondrait pas mal une équipe de pirates comme celle qui, qui avait mis un, un drapeau au-dessus du bâtiment où était construit Macintosh en 84, enfin mmh. jusqu'en jusqu en 84, euh, une toute petite équipe qui va chercher... À mettre au point de nouvelles interfaces et qui va aboutir à mettre au point euh, un truc qui avait déjà été développé par ailleurs, euh, qui est le multi-touch. Et en fait, cette équipe va travailler en douce, elle va préparer quelque chose, elle va aboutir à un résultat qui est pas mal, mais on n'en parle surtout pas à Steve Jobs. Et ça, ce qui est assez important, c'est quand on parle de l'iPhone, on pense à Steve Jobs et on a l'impression que c'est lui qui s'est levé le matin, qui s'est cogné la tête oui. et a Hey, j'ai une idée Et en fait, on va changer voilà. ce qui est intéressant, c'est de se dire que derrière, il y a une, une armée d'ingénieurs. Qui ont mis au point peu à peu les différentes technologies et qui ont euh, regroupé tout ça. Donc, ils ont mis au point une démonstration euh, multitouch qui était pas mal, qu'ils ont montré à Johnny Ive, qui était déjà l'homme qui montait en puissance. Hein, c'est le chef du design qui, a, qui, est, qui est devenu, on va dire, le numéro 2 euh, un peu au, officieux d'Apple. Et euh, Johnny Hive revoit ça, fait c'est absolument génial, mais il faut surtout pas le montrer à Steve Jobs. Pourquoi Parce que ce <laughs> n'était pas suffisamment finalisé. Et Steve Jobs, si on le prend le mauvais jour, pouvait dire Bon, ça, on arrête, c'est de la merde. Voilà. Donc, en fait, ils vont développer ce qui va être finalement le cœur de la révolution de l'iPhone, le multitouch. Ils vont le développer en douce pendant des mois. On, a, on rappelle ce que c'est parce que, bon, pour nous, ça nous paraît le évidemment, multi -touch. Euh, Voilà. Le multitouch, en, fait, mais... en fait, le multitouch, c'est la capacité de toucher avec plus d'un doigt mm. une surface tactile et d'interagir. Par exemple, c'est ce qui permet de le, le pincer pour zoomer, enfin, euh, un pincer écarté pour zoomer. C'est ce qui permet et de faire défiler des pages de deux doigts. Et je sais pas si etc. vous ça. vous souvenez, mais ça c'était l'effet waouh de l'iPhone, c'est-à-dire que le, le, à partir du moment où on voyait une photo et qu'on faisait on comme ça pour, le, pour, la, pour la zoomer ou la dézoomer, mais tout le monde, on avait l'impression que c'était de la magie, quoi. C'était, c'était ouais. tout à fait, c'était la, la magie et c'était, ça, ça a été euh, d'ailleurs un des points d'orgue de la, de la conf de janvier 2007. Euh, quand Steve Jobs est monté euh, sur scène et a, a dit hey, On est en train de travailler sur. Euh, on va vous présenter trois produits révolutionnaires aujourd'hui. Oui, parce voilà. qu'il y avait, y avait la volonté aussi de faire évoluer l'iPod et de marier l'iPod, c'est-à-dire la musique, avec la téléphonie voilà. mobile. Et, et d'ailleurs, euh, là, on voit, on voit une image. Ce qui est amusant, c'est qu'on euh, voit, en fait, il dit, voilà, iPod on va, on, avec un on cadran va faire de téléphone. un iPod avec un truc, un cadran de téléphone. Et donc, c'est amusant parce que, évidemment, c'est une oui. énorme blague. Mais ce qui est mais encore en fait, plus est... amusant, c'est qu'il y, y a un, un texte là-dessous. C'est qu'il y avait deux équipes ouais. qui développaient l'iPhone. Il y avait l'équipe de Scott Forstall, euh, qui est finalement après devenu le, le boss d'iOS et l'iPhone. Et puis il y avait Tony Fadel qui est le père euh, de la partie de l'iPod et euh, qui euh, était lui très attaché à faire. Un iPod capable de téléphoner. Et en fait, cette, euh, cette image qui est très drôle. C'est une était vacherie contre Tony Fadell. C'est une sorte de vacherie contre <laughs> Tony Faddle, voilà. Qui avait quand même imaginé une interface de genre pour, pour l'iPhone. Oui, tout à fait. Qui, être qui, être qui, pensait qui pensait ça ouais, Qui pensait avoir. Un iPod avoir, avec un cadran. Un, en, quoi, un iPod capable de téléphoner. Mais alors évidemment, ouais. pas, on ne composait pas le numéro en tournant ouais. la roue, mais on naviguait dans l'interface euh, de cette manière. Pierre, c'est vrai ouais. que qu'aussi pour, euh, pour Steve Jobs, le fait de sortir un iPhone, c'était aussi imaginer l'avenir de l'iPod qui commençait à être concurrencé. Par d'autres marques. C'est vrai que c'était aussi le début des, de tous ces constructeurs, souvent chinois, qui sortaient des, des baladeurs MP3 à quelques dizaines d'euros. Et, euh, et voilà, euh, euh, Steve Jobs bah, a pris oui, peur et s'est que... dit tiens, il va falloir que je sorte un nouvel appareil plus complet pour concurrencer l'iPod et surtout avoir. Ouais. Euh, Alors, ce n'était pas, pas tant la concurrence des baladeurs numériques que la concurrence. Euh, ils voyaient bien que les téléphones commençaient à faire de la musique et ils disaient ouais, euh, pourquoi avoir deux appareils euh, en poche euh, Et surtout, il euh, y a une antenne euh, chez, chez Apple c'est euh, ne pas avoir peur de se cannibaliser soi-même, c'est-à-dire. Si on doit se faire piquer des parts de marché, autant que ce soit par nous-mêmes. Mmh, ouais. Donc il y a eu cette, cette démarche. Et c'est vrai qu'historiquement, euh, le premier produit euh, multi-touch tactile que, sur lequel travaillait Apple, c'était une tablette. Genre une sorte d'iPad un peu plus gros que ce qui est sorti. Mais voilà. Et le problème, c'est que Steve Jobs se disait bah, Moi, je ne vois pas l'intérêt pour l'instant que j'ai à vendre ça mmh. aux gens. En revanche, il s'est dit Mon téléphone est complètement pourri, avec le clapet, avec les touches qui font clic-clac, clic-clac. Euh, je vois tout à fait ce que le tactile pourrait apporter en termes d'usage. Et donc là, effectivement, il y a eu cette évolution. Et donc, effectivement, un, pour répondre au fait que l'iPod allait se faire manger peu à peu par des téléphones multifonctions, et puis par cette nécessité d'apporter un téléphone où il euh, bah, y aurait un, un vrai changement. Quoi. Alors, euh, janvier 2007, la présentation officielle, la fameuse keynote historique hein, quand même. Tout à fait. Sans doute celle qui restera le plus dans les mémoires. Euh, et à l'époque, c'était quoi le paysage high-tech Les téléphones mobiles, ça existait déjà quand même. Bien sûr. Mais on n'avait euh, pas ça, donc, <laughs> par définition. Qu Est-ce qu est que vous vous souvenez de ce qu'on avait, qu avait C'était quoi ah, ton bah, téléphone sûr, à l'époque hein. Euh, moi à l'époque c'était un Nokia, un Nokia N95 je pense si je ne m'abuse. Monsieur, euh, monsieur avait le top ah du top. Oui. C'était le top du top. Ah quand même. À l'époque. Euh, le meilleur de... appareil photo, voilà, euh, le meilleur photophone du moment. Mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait une, déjà des smartphones. Euh, c'était, mais ils étaient très différents. C'est celui-là le N95 Ouais. C'était ouais, le N95 et c'était effectivement un super smartphone pour l'époque. Et euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que quand on a vu, euh, nous, alors nous n'y étions pas hein, euh, à, à cette conférence, mais quand on a vu Steve Jobs présenter ça, on s'est tout de suite dit que euh, là. Euh, les trois quarts ou même tous les téléphones du marché venaient de prendre un énorme coup de vieux euh, grâce effectivement à cette technologie multitouch qui, évidemment, tout le monde l'utilise aujourd'hui. Mais euh, à l'époque, c'était une révolution de voir euh, cette, ce, 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 simplement le fait de voir un balayage ouais. de ses contacts ou de ses chansons ou pour, des euh, avec, à, ou pour déverrouiller. Ouais, euh, c'était vrai, une mais... vraie révolution euh, par rapport à ces euh, téléphones, ces bah, smartphones. Et euh, puis il enfin, y, avait, y avait aussi euh, une accélération graphique. Même sur l'écran d'accueil où on voyait se déverrouiller avec cette lumière qui passait comme ça, c'était on voyait jamais Il ça en parle sur un avec téléphone. Émotion, non, mais on voyait pas ça sur un téléphone. C'était euh, c'était beaucoup plus sommaire avec des OS qui étaient qui étaient euh, même Symbian, à l'époque était sur le Nokia 95 ouais. n'avait rien à voir avec iOS. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre parce qu'il y avait la N95. Il y avait évidemment. Il y avait Microsoft qui avait des problèmes avec Windows Mobile. Il y avait évidemment. Moi j'avais un QTEC, les amis, à l'époque. Il s'appelait pas Windows Mobile. Euh... Et c c Win, euh, il s'appelait. C'était Windows CE Il y avait Windows Mobile et, 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 Windows 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 6. Il Qui était très lié à l'usage du stylet, on voit bien. Et d'ailleurs, l'usage du stylet qui était moqué par Steve Jobs. Mais en fait, ce genre d'appareil était utilisé, François, plutôt par des professionnels. C'était la grosse C'est ça qui Beaucoup changé avec l'iPhone. Il y avait à l'époque Il y avait le menu, menu ouais, L'interface de, de Windows genre. Mobile n'était absolument pas adaptée à un usage même euh, avec le stylet. C'était compliqué. Les menus étaient tout petits. Il y avait des, il y avait des menus à ne plus savoir qu'en faire. C'était juste euh, une Quand horreur d'un point de vue ergonomique, hein, on peut le dire, à tel point que. Quand l'iPhone est sorti, euh, Microsoft a été obligé de proposer à l'arrache une surcouche sur ses téléphones qui, qui, qui venait se superposer à l'interface classique de ces téléphones qui était restée la même. Ils avaient simplement euh, voilà, conçu une interface un peu plus tactile-friendly euh, au-dessus. C'était juste horrible. Mais, mais d'ailleurs, quand on cherchait dans les sous-menus, on retrouvait les, les petits menus gris. Oh, qu ah, est ce qui fait qu'on avait du tactile, donc on n'utilisait pas le stylet. Et quand on allait chercher dans les sous-menus, on était obligé de ressortir le stylet pour pouvoir l'utiliser. C'était complètement aberrant. À leur exactement. décharge, ils pariaient sur le fait que les gens étaient habitués au PC, à l'interface de Windows sur le PC, et que du coup, ils ne seraient pas dépaysés avec Certes. ce type d'interface. Sur un autre écran, ça ne marchait pas. Microsoft s'est voilà. toujours planté sur le tactile, puisqu'on rappelle quand même qu'en 2003, ils avaient lancé le tablet PC, qui était, un, qui était un Windows XP tactile, ouais. qu pouvait, qui était d'un point de vue technique très intéressant, mais ouais. avec aucune réflexion sur l'interface en elle-même. Euh, donc en fait, on avait un Windows, oui, on pouvait euh, mmh, utiliser, un, utiliser un, un stylet pour, euh, pour Prend faire des notes, la, prendre des notes, etc. Mmh. Mais en même temps, euh, il n'y avait aucun changement d'interface. Parce que ce qu'a apporté l'iPhone, en fait, c'est que c'était une interface qui était pensée pour euh, un usage machines. tactile aux doigts. Ouais. Et ça, euh, bah, évidemment, quand tout le monde a vu ça, il fait Mais c'est génial, mais oui, utilisons nos doigts, c'est vrai. Et, y compris l'équipe qui développait Android depuis quelques temps déjà, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est euh, sorti bah, en début d'année, pour les dix ans de l'annonce de l'iPhone. Euh, l'équipe qui, qui développait Android a évidemment suivi la keynote, etc. Et en fait, quand ils ont vu ça, ils ont fait Ok, machine arrière, on arrête tout smartphone qu'on avait prévu pour sortir, il faut enlever les claviers, c'est plus possible, ouais. il faut qu'on repense notre interface et qu'on bah, mmh. qu se mette à niveau euh, d'iOS. Alors là, on voit les images de la fameuse keynote de janvier, hein, donc la, la démo du tout premier iPhone. Et ce qu'il faut dire, et maintenant tout le monde le sait, c'est que cet iPhone, il, il fonctionnait sur trois pattes, en fait. Il marchait très mal. Tout à fait. Alors en, en fait, euh, Steve Jobs avait répété et répété le truc de manière assez incroyable parce que euh, le logiciel la, la, ne fonctionnait que dans un certain ordre. Par exemple, il fallait faire la démonstration de l'application mail avant la démonstration de l'application iPod. Autrement, tout plantait. Et donc, il est là, à, il est. Il est en train de nous vendre le, le téléphone révolutionnaire. Il a l'air super à l'aise. Et en fait, je pense qu'il dit OK. Là, il ne faut pas que j'appuie sur ce mot-là. OK, il ouais. faut que je fasse cette Il ne s'est pas trompé une voilà, seule fois. Il pas, tr... il pas... Bah, Si il s'était trompé, on l'aurait. On réussi ouais. assez rapidement. Et effectivement, euh, le l'OS le, euh, iPhone OS n'était pas du tout prêt. Euh, C'était encore euh, un peu fait de briques et de broc. Et euh, les six mois qui ont euh, mené à sa commercialisation n'ont pas été six mois de repos pour les ouais. équipes. Non, 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 Mais malgré tout, ils ont tenu leur délai Il est sorti. Euh... Ils, ils ont tenu leur... Ils ont tenu les délais qui s'étaient. Fixé, euh, je pense, en, en, en connaissance de cause. Alors, il y a une légende qu'on qu ne on m'a jamais confirmée, mais qu'on qu qu m'a infirmée avec un grand sourire entendu c'est qu'effectivement, euh, si le job aurait dit à ses équipes, écoutez, là, ce que vous allez faire, c'est que vous rentrez. Vous dites bonjour, au revoir à votre famille, vous prenez vos valises, vos habits et vous revenez, et vous allez bosser maintenant parce qu'il faut vraiment qu'on soit dans les délais. Mais il quoi. paraît que c'est du délire, il y a même eu des, des, des divorces, des... Ah non, il y avait des psychodrames. Hein, c'est terrible. Voilà. Enfin, terrible. Ouais. Et puis on sait que bon, voilà, Steve Jobs était très très dur. Hein, donc, et il euh... était... bah, quand il voulait quelque chose, quand il voulait quelque euh, quelque il chose, faire euh... en sorte rien que ça, rien ça arrive. Il pouvait l'arrêter. Hein. Euh, bon, alors voilà pour, euh, on va dire, les, les, les petites anecdotes croustillantes. Il y en a plein d'autres, hein. mais c'était quelques-unes assez sympathiques. Exemple, je voulais juste ajouter un truc oui, par rapport Eric. à ça, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les... Dans le micro, sur, dans le micro. Il y a eu beaucoup de commentaires sur quand on a fêté les 10 ans la semaine dernière du lancement de l'iPhone et beaucoup de gens ont dit l'iPhone était, voilà, vous êtes pro Apple, etc. etc. Je pense qu'il y a bien, pas mal de gens qui ne se rendent pas compte, et notamment les plus jeunes, que en fait, ce, ce téléphone a vraiment tout changé. Mais c'est exactement ça, Eric. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'iPhone a changé dans nos vies, dans vos vies euh, bah, on est allé vous poser la question, hein. regardez. Quand le premier iPhone est sorti il y a 10 ans, euh, j'ai trouvé ça très bien. Ouais. C'était performant, euh, il y avait une, ouais, une... novateur et performant. Je ne changerai pas. Avant, j'avais le... Du coup j'avais le 4, là je suis passé au 5 et euh, c'est vrai que c'est un peu de famille, du coup on a tous un peu des iPhones dans la famille. Au départ euh, l'iPhone euh, c'était un peu oui, révolutionnaire mais après les concurrents ils ont un peu essayé d'imiter la chose je dirais. A la base euh, depuis euh, le début j'étais euh, resté avec Samsung et euh, je me suis dit pourquoi pas changer Et parce que euh, iPhone on sait qu'il y a plein de de coques qui sont faites pour les iPhones. on me suis dit pourquoi pas changer et Depuis que j'en ai un, bah, je suis contente et voilà. Alors pour moi, c'est une secte parce que euh, tout se regroupe dans iPhone. On peut même pas échanger de musique, de photos. C'est vraiment compliqué. Alors moi, j'ai un Huawei. C'est vraiment plus simple. Euh, si je veux changer de photo ou de musique, ça se fait automatiquement avec n'importe qui, n'importe quel téléphone. Mais avec iPhone, on peut pas du tout. On est obligé d'avoir un iPhone ou avoir iCloud. rester dans une secte. Quoi. Et moi, je suis contre ça. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos témoignages. Voilà, Apple, c'est une secte, l'iPhone, c'est une secte. Ouais. Euh, la demoiselle tout à l'heure qui disait, ben bah, voilà, moi j'ai acheté un iPhone parce qu'il y avait des coques. C'est quand même incroyable. quoi. Ouais, mais c est, c est, je pense que c'est un vrai argument. L'écosystème d'accessoires, c'est là où il, y en a le plus. Enfin, où il y en avait le plus pendant longtemps. Hein. Enfin, y il y a aussi l'OS. Je ne sais pas à que c'est un <laughs> mais le dernier <laughs> argument est aussi très, tout à fait valable. Petit, tout à fait, on, ouais. peut, on peut parler de secte, c'est peut-être un petit peu violent. Mais en tout cas, effectivement, l'iPhone est un, un, un mobile beaucoup plus fermé que... que Cela que dit, ça change un peu quand même. Ça s'ouvre un peu. Ça change un petit peu. C'est quand, quand même plus compliqué de faire certaines choses avec un iPhone qu'avec un Android ouais. par exemple. Tout Une un zéro à live spéciale donc 10 ans de l'iPhone. Je vous propose maintenant de revenir sur les cinq innovations qui ont marqué euh, qui ont jalonné la vie en fait de l'iPhone depuis ces dix ans. Pierre. Avec on, a, on en a parlé tout à l'heure, mais on va y revenir brièvement. cette le multitouch ouais. hein, et les écrans capacitifs. Alors que mm. la plupart des smartphones à l'époque avaient des écrans résistifs, résistif. il fallait appuyer dessus. Et comme le résistif ça, vraiment, on ne veut Le résistif dit bien ce que c'est. Hein, ça résiste. Hein, on, veut, on voudrait faut que ça fonctionne. Ça. Et il veut pas, lui. Hein. Alors que le capacitif, lui, il est capable. Voilà. voilà, voilà, voilà. En gros, c'est ça. C'est beaucoup plus rapide. Ouais. <laughs> c'est capacité ça. électrique. Voilà. <laughs> Deuxième innovation euh, c'est l'App Store. Ouais. Là, on est en 2008. C'est juillet 2008, oui. L'iPhone 3 plus. Ouais, le 12 juillet, je crois. Voilà, l'iPhone 3G arrive. Euh, donc là, ça commençait à être sympa pour surfer sur Internet parce qu'en Edge, il fallait quand même avoir un peu de temps. Hein, ouais. Sauf si on était en Wi-Fi. Euh, et donc, l'App Store arrive. Et ce qui est a dingue, c'est qu'au départ, Steve Jobs, l'App Store, il n'en voulait pas. Non, alors, il voulait. Il ne voulait pas de, de l'App Store parce qu'il voulait pouvoir, on le disait juste avant, contrôler les choses. Il voulait mettre des, des web apps. Euh, et puis, euh, surtout, il craignait pour la sécurité et pour l'expérience globale d'utilisation euh, des utilisateurs. Néanmoins, Scott Forstal, euh, dont on a déjà parlé précédemment, euh, a réussi à convaincre les choses. Et l'App Store est lancé avec 500 applications, tenez-vous bien. Et euh, oh. ouais, c'est assez colossal, sachant que maintenant on en a, euh, je ne sais pas, un million ou quatre, comme ça. Euh, donc 500 applications, euh, beaucoup, de, beaucoup de jeux, beaucoup de trucs un petit peu dingues, mais qui vont très rapidement. Ouais, la bougie, le briquet. Voilà, il y avait, le, y avait le, le verre de bière, le coussin ouais. Peter, il y avait les petits jeux qui tenaient par, euh, des parties de l'accéléromètre et du gyroscope, ouais. etc. Enfin, vraiment une assez grosse diversité qui va peu à peu exploser et va aboutir à une sorte de, bah de, de révolution d'usage parce qu'on va avoir une application peut-être pas pour tout mais euh, pas loin quoi. Alors, il y a des applications complètement inutiles et puis d'autres qui vont être, devenir incontournables au quotidien euh, qui vont euh, changer la vie des gens, ça va être euh, l'application Airbnb, ça va être euh, la, la possibilité de, de réserver euh, un taxi euh, via le téléphone etc., etc Et ça a créé un nouveau business Ça a créé un, un nouveau hein, modèle euh, économique pour des développeurs qui sont devenus pour certains milliardaires en quelques en quelques mois, c'est oui. dingue. Et pour c Apple incroyable. aussi, c'était c'est un sacré ah oui. beau business puisqu'on ouais. rappelle que Apple qui, prend, la répartition 30%, 30%, 30 de chaque de chaque vente, chaque de, chaque, de chaque, et transaction, et chaque transaction, et chaque chaque on se rend compte que d'ailleurs le modèle économique de ces applications a évolué. Au début, c'était alors il y avait des applications gratuites qui étaient financées par la publicité. Après, des applications payantes et maintenant on a ces achats in-app ouais. qui font qu'on achète une app, enfin on a on télécharge une appli gratuite et on achète des petits bouts euh, d'options supplémentaires en, en payant. Alors au ah, juste juste par rapport à l'App Store, il faut savoir qu'en 2008 aussi, il y avait un autre un gros, autre énorme qui, euh, arrivant, c'est euh, Android Market, euh, qui est arrivé également en 2008. Euh, Android, euh, et bon, on connaît le succès d'Android aujourd'hui, ça ne s'appelait pas le Play Store, ça s'appelait Android Market, et ça s'est sorti en même temps que, que l'App Store. Et, euh, et, et Google avait déjà ça en tête dès le départ. Euh, contrairement à Apple, contrairement à Apple hein. avait cette logique de store, euh, qui, euh, qui, enfin, de, logique de diffuseur central d'applications pour euh, ces smartphones. C'était une émotivation hein. de Google. Alors les autres innovations, euh, on arrive au 4S, on fait un petit bond hein, là. Bah, oui, on va faire un petit bond. 4... Pourquoi le 4S Parce que le 4S, mine de rien, euh, est arrivé avec pas mal de grosses nouveautés. Bah, le 4S, le, le S de Siri et euh, alors, c'est intéressant parce que euh, on peut avoir un avis relativement partagé sur les performances de Siri actuellement. Euh, on peut constater que la concurrence a euh, vraiment euh, rattrapé, voire dépassé Apple dans ce domaine. Hein. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Apple a eu ce, ce sens d'intégrer euh, l'étape d'après, dans ce qu'on va dire, permet d'interagir entre l'homme et la machine. On avait, on avait le multitouch et là. La voix. Voilà, la voix, qui permet de se passer, euh, de taper sur le clavier, sur l'écran, et de. Alors les, les commandes sont relativement euh, succinctes, mais voilà, ça, ça ouvre les portes d'une nouvelle manière d'interagir. Et on voit où on en est aujourd'hui. Hein. Euh, oui. La commande vocale arrive maintenant à la maison, elle est sortie voilà. des smartphones, oui. elle arrive dans les voitures. Euh, donc effectivement, on voit que ça va être une. Bah, le, le but, c'est d'effacer les, 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 les frontières et tout ce qui peut freiner l'usage d'un produit high-tech en fait. Mmh. Et c'est vrai que le langage naturel, alors effectivement le, 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 la route a été longue, hein, euh, mais quand on, on interagit par exemple avec un, avec un Google Home, il euh, y a une, une interaction qui est tr assez naturelle on va dire. Il faut le faire en anglais pour l'instant encore, mais ouais. il arrive en France bientôt. Il arrive en France début ouais. août. Bon, Donc, autre le 4... le... Donc le 4S, il y avait Siri, et puis surtout, enfin moi ce qui, qui m'avait euh, vraiment ouais. ému, c'était la qualité de l'appareil photo du 4S. Ouais, moi je sais ce que j'ai aussi. Oui, on, est... on est passé de, du 4, qui était un appareil photo, rappelez-vous, de 5 mégapixels euh, au 4S à 8, mais c'est pas trop les pixels, c'est qu'on a l'impression que Apple a complètement révolutionné en fait son appareil photo, et d'un coup, on s'est retrouvé avec des photos qui étaient comparables eh oui. à un appareil photo compact. C'est devenu l un appareil photo ouais. Sans doute à partir du 4S, effectivement, que l'iPhone a Commencé parmi pas mal de gens à remplacer un appareil photo compact, hein, évidemment. C'était le premier smartphone qui faisait de belles photos à l'époque. Oui, il, hein. il faisait très belles photos. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on on, on le voit à partir de, de ce moment-là sur, sur Flickr, qui est une base de stockage de photos mmh. gigantesque en ligne, de partage de photos. Euh, à partir de là, les iPhones vont devenir. L'appareil photo, enfin, photo le plus populaire. Et ouais. tous les modèles d'iPhone successifs vont se classer parmi les appareils photos les plus populaires au monde. Parce qu'effectivement, on a dans sa poche un appareil photo qu'on a en permanence et on n'a plus besoin de se promener avec un compact dédié. Alors, certes, les résultats n'étaient pas forcément toujours meilleurs, parfois même moins bons, mais en tout cas, on était plus obligé de, de se promener avec plusieurs euh, objets. Rappelez-vous, cette keynote de l'iPhone 4S, c'était une keynote aussi qui a, qui a été réalisée dans, dans des conditions quand même très difficiles, puisque Steve Jobs n'apparaissait pas. On est en octobre 2011. Il décède, 4 octobre. Le, on, il décède le lendemain. Le 5 octobre, donc, ouais. quand on revoit cette keynote, elle est terrible parce que euh, tous les dirigeants d'Apple savent que c'est la fin. Et il y a un et, siège vide. Il y a un siège vide. Euh, ils tirent tous la gueule, hein, on peut le dire. Ouais. Et, et donc, voilà, c'est dans, dans cette euh, ambiance très lourde que se ouais. déroule cette, cette keynote. Tout à fait. On enchaîne. Alors, donc, les autres innovations qui ont, qui ont marqué l'iPhone. Bah, le, sur l'iPhone suivant, sur le 5S, c'est l'arrivée du Touch ID. Tout à fait. Alors, ouais, sur, le, sur celui d'après, il y a eu le 5 entre les deux. Oui. Effectivement, le, le, alors le, le Touch ID, ce qui est intéressant, c'est qu'il va effectivement euh, permettre d'énormément sécuriser les appareils. Parce que si vous vous souvenez bien, avant, chaque fois, si on avait mis un mot de passe, enfin un code, il fallait le taper à chaque fois qu'on voulait le déverrouiller, c'est-à-dire à peu près 86 fois par jour, mmh. hein, selon les chiffres d'Apple. Ce qui est un petit peu rageant à la fin. Donc là, on pose son doigt. Alors, c'est vrai que la première génération n'était pas très rapide, mais on pose son doigt. Le lecteur reconnaît l'empreinte le, digitale, digitale, pouf, il déverrouille l'appareil et sans avoir tapé le code, on a accédé à son, à son, à son contenu. Euh, et ça va donc non seulement fluidifier et sécuriser l'appareil, mais ça va aussi permettre l'arrivée derrière de services comme Apple Pay où euh, le paiement est sécurisé euh, via, euh, le, via le doigt et via ce qu'on appelle la secure enclave, c'est-à-dire des, des éléments dans le processeur euh, qui permettent de s'assurer que euh, c'est bien la personne euh, qui a le doigt qui paye. Qui a le doigt, doigt. C'est bien. Bravo Pierre. Elle est superbe. Non mais c'est la chaleur. Ouais, c'est la chaleur qui fait, fait ça. ça. Ouais, ouais, Rappelons sûr. aussi que euh, <laughs> cet iPhone 5S est le premier iPhone qui, dont iOS, euh, accès, Enfin, c'était le premier iPhone qui a accepté le 64 bits. C'est la première alors, architecture alors, on rentre, on rentre 64 bits. dans toi. des considérations très techniques. Ouais. Mais mine de rien ça va donner un coup d'accélérateur euh, aux, aux prochains iphone en fait. bah, ça, ça va alors ça va euh, mettre à plat toute toute la, la, la voie de progression euh, des archi, archite, des architectures euh, matérielles d'apple et puis des mmh. évolutions logicielles euh, parce qu'on sait que le, le, avoir des applications et une plateforme euh, logicielle 64 bits ça permet d'adresser plus de mémoire ça permet de fluidifier les choses en fait Bref, et, et, mieux. et donc et donc effectivement Mais comme pour ça comme ça en fait, C est, c est une. En fait, ça, 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 ça contribue. Ça contribue notamment à permettre euh, d'avoir des iPhones qui ont beaucoup moins euh, de RAM au global qu'un smartphone Android, mais avec une fluidité équivalente. Bon, Mais ça, c'était les choses qui, qui étaient géniales, tout ce, qui, tout ce que l'iPhone a apporté. Mais euh, l'histoire était jalonnée quand même par des petites boulettes. Hein. Il y a eu des problèmes. Des micro-boulettes. Des micro-boulettes, enfin des, des, <laughs> des grosses boulettes quand même. Hein. L'une euh, des pires. D'ailleurs, Eric va vous mimer la première boulette. <laughs> L'une des pires, c'était le fameux Antenagate. Gate. Hein. Oui, euh, oui, c'était une des pires. Euh, c'était d'ailleurs, c'était un exercice de communication ultra raté par Apple aussi ouais. derrière. Hein, franchement, euh, raté, ouais. euh, toute cette, toute cette Alors, était quoi, un, à cette bah, euh, euh, était On rappelle. En fait, effectivement, sur, c'était quel modèle d'ailleurs 4 k 4. Euh, c'était et, sur... et les images qu'on qu qu montre là, c'était Steve Jobs qui était revenu de vacances, voilà. ouais. d'Hawaï ouais. 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 pour faire une conférence de presse improvisée parce que c'était absolument ça ridicule. à Cette conférence était ridicule. Là, franchement, ils ont fait une conférence pour nous expliquer que le, les téléphones ne sont pas parfaits. Euh, je me souviens très bien qu'en fait, ils avaient quand même dit à l'époque que les gens ne tenaient pas leur iPhone oui. correctement. Oui. C'est ça qu'ils oui. disaient. Oui, D'ailleurs, c'est ce, ce même. Euh, C'est-à-dire que quand on le tenait euh, avec euh, comme ça dans le creux de la main, ça bloquait l'antenne. En fait, il, il, il faut expliquer en fait que on, pour, ils ont la réception a, était moins bonne. Dans, dans le cadre. refonte refonte du design avec l'iPhone 4. On abandonne le 3GS qui était un petit peu arrondi en plastique, tout ça. Donc un nouveau design et en fait. Euh, plutôt que de cacher les antennes, ils ont mis les antennes du Wi-Fi et, euh, qui Dans permettent à, de capter la 3G, etc., euh, sur le, sur le pourtour. Ouais. Et chaque fois, effectivement, on a ces petites... Euh, pose euh, en plastique dans le dans les antennes. Voilà, si on, on mettait voit, on le on doigt aperçoit, dessus, là, ouais. en fait, on, a, on atténuait le signal capté. Et on voyait, on le voyait, on le voyait très bien. On, on voyait on la, la, la barre de réception réel, hein. qui tombait d'un seul coup. On, ouais, tous et tous enfin, et on, on, on perdait on le, tous signal, on 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 le signal, on perdait le etc. et Et donc, c'est effectivement une mauvaise conception de l'appareil qui va être corrigé euh, sur la déjà génération la génération d'après, mais qu'Apple qu euh... a quand même absolument refusé de ouais. considérer. Ils ont, ils ont accepté ça, de donner ça, des qui, voilà, Et ça s'est terminé par une, jeu, une, une, coque, euh, une coque, les bumpers le qu'ils ont donnés à tous les gens. Mais, mais d'ailleurs, les bumpers plein. qui avaient ouais. été lancés en même temps que l'appareil. Et, euh, et, qui euh, et qui avait d'ailleurs été donné pour les tests et qui avait, les testeurs avaient été encouragés à le mettre autour. Je me suis toujours posé la question de est-ce <laughs> qu'ils ne s'étaient pas rendu compte avant qu'il y avait la, un problème de Et que, pour, en disant, voilà, vous que c'est le modèle de test, ne le cassez pas tant qu'il est en, en cours de test, ils n'avaient pas encouragé à mettre le bumper. Je me suis toujours posé cette question. Voilà. <laughs> Puis, Mais il, y avait, il y avait aussi ce côté hautain de Steve Jobs qui n'admettait pas, en fait, oui, que son produit le parfait n'était pas aussi parfait oui. que ça. Et, et c'est pour ça qu'il avait ce, ce dédain euh, pendant cette conférence. On voit, voit qu'il était ah énervé. Bah, il était très énervé, c'est vrai. Est... Voilà, parce et... qu'il avait à peu près toute la, toute la presse euh, contre ouais, son ouais. produit. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait de quoi un peu râler, effectivement, ouais, parce qu'on ne peut pas dire que l'iPhone soit un produit euh, pas cher. Et euh, que c'était une erreur. Alors, alors que cette antenne qui faisait le pourtour de l'iPhone était présentée comme une nouvelle fonction mmh. géniale et que tout le monde avait applaudi, en fait, il s'avère que... C'était pas une si bonne idée. Et là, on était, c'était au, au mois d'août 2010. Ouais, tout à fait. 2000 euh, alors un petit 2010. peu plus tard. Oui, 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 ouais, pour ouais. le pour le pour le, pour le gate, gate. Oui, oui c'était ça. Autre, Et, alors autre bug, grosse autre boulette gros quand même, qui est, qui est beaucoup plus récente, ouais, c'est le Bengate après l'Antenna Gate. Le c'était donc le modèle euh, extra large, le 6 oui. Plus. Oh là là, non, on le je, je sais pas si c'est 6 Quand je vois est, ces 6 là moi j'ai un, un iPhone active. 6 là et il est, tout, il est, il est, il est effectivement euh, légèrement plié. Voilà. Alors on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a une coque, mais euh, il est légèrement plié et le Bengate, alors ça a été beaucoup enfin, critiqué. Voilà, par... le, ce qui était critiqué, c'était que quand on le mettait dans la poche arrière de son pantalon, ouais, et on ouais. pouvait avoir cet effet là. Mais là, c'est un petit peu vicieux. Là, c'est un peu violent, mais effectivement, de nombreux iPhone 6 sont. Si vous avez un iPhone 6, je vous conseille d'essayer d'ailleurs. oui, voilà. Non, pas mais vous envoyez le téléphone. Hein. Regardez juste euh, sur une table, posez-le et regardez s'il n'est euh, pas un petit peu euh, plié. Ça arrive à beaucoup d'iPhone Mais, mais d'ailleurs, ce, ce qui avait, qu avait aussi initié le problème, ce n'était pas seulement qu'on pouvait le plier en forçant plus ou moins dessus, c'est que quand il était branché en, en charge, parfois il se pliait aussi un peu tout seul. Ah oui, ça c'est un peu embêtant. Et puis il suffisait quand de il le mettre aussi. Pour aussi. Qu il se mais voilà, plié, quand il était vexé. Quand il rigolait, Après, il y a eu pas mal d'histoires. De, 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 bah, de, de personnes qui mettaient leur iPhone dans la poche arrière de leur ouais, jean et qui faire. se retrouvaient avec un iPhone enfin ouais. bien plié En, ça, en, en ça fait arrive. ils avaient ils avaient, ils ouais, avaient trop dit, allégé ça ça, la ça, structure fait, en aluminium et euh, qui ne résistait pas trop effectivement au point où sont les boutons la, au point où la structure est la plus faible. Comment il y en a eu d'autres. Comment ah oui oui on peut changer oui, tu as raison. Mais on on encore une fois Apple n'a pour le, pour le coup pas vraiment euh, réagi à ça euh, et c'est d'ailleurs un problème. Il a ça a été un petit peu genre, ouais ok, on va oublier cette histoire assez vite, mais, mmh. euh, mais c'est un vrai problème, ce n'était pas une, juste une, le, une vidéo YouTube avec un gars qui force son smartphone, ouais. ça pouvait arriver même dans une poche. Et moi, ça m'est arrivé au mien alors que je ne l'ai pas fait, et j'ai évidemment pas fait ce que fait euh, alors sur l'écran. Sur le 6, 6 c'était encore plus flagrant parce qu'il était encore plus grand. Ouais. Bon, enfin, ça fait, euh, c'est pas pour les excuser, mais sur, sur une longue période, sur 10 ans... Finalement, si on fait la part des choses, il euh, y a eu des ah, boulettes. Alors, il bon. y a eu une. Ça pose un peu Il y a aussi sur une, le une autre. Euh, il hein, hein. y a aussi ouais. une, autre, une autre grosse boulette euh, qui est quand même le lancement de plans. Ah, euh, ah bah euh, voilà, bien, euh, bien sûr. Alors, ce n'est pas directement lié au hardware, c'est du software. Problème, ouais. Mais quand même, ça a été énorme. Ça a été catastrophique. Ça, c'était drôle. Et voilà, c'était l'appli de navigation. Ils voulaient concurrencer Google Maps. Là, On voit Scott Forstall à l'écran. Et en fait, c'est cette personne. Euh, en fait il était au moins aussi tyrannique que, que Steve Jobs et en, euh, les, les ingénieurs qui travaillaient sur Plan savaient que c'était pas prêt et en fait ils ont fait ils connaissaient le parcours qu'ils faisaient à peu près quotidiennement ce qu'ils faisaient le week-end ouais, et ils ont fait toi. en sorte que Plan soit nickel pour, sur lui. pour lui voilà donc c'était un plan oui, était génial coup, pour lui jusqu'à la maison ça marchait voilà. nickel mais que pour lui ça marchait voilà en fait. et ce qui fait que quand ça a été lancé ça a été catastrophique il y a des gens qui se sont retrouvés au fond de la lac qui se sont retrouvés <laughs> à croire ah ouais. être sur l'autoroute se retrouvaient sur le tarmac d'un aéroport etc Enfin, il y a eu des vrais vrais problèmes, c'était une catastrophe et, euh, et, et bah, ça a amené finalement à la chute de Scott Forstall, qui était le, 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 le leader de, depuis la naissance de, de l'iPhone et qui a été éjecté euh, Manu Militari euh, par euh, Tim Cook euh, parce qu'il avait refusé de reconnaître les, les, les problèmes, très belles genre, images satellites voilà, <laughs> oui, ouais, oui, ouais, légèrement euh, déformées. Déformé. On vous rappelle déformé. aussi pourquoi euh, Plan euh, existait. Hein, L'iPhone à la base utilisait Google Maps ouais, oui. Oui. et évidemment Apple, quand il y a, a, un, a un petit problème de concurrence avec. Android, et voilà, ça, ils n'étaient pas très contents d'avoir Google Maps sur leur téléphone, et donc on a décidé... En fait, que... oui, ils, ils voulaient introduire euh, la technologie de, de navigation autour par tour, et euh, Google euh, a dit, ben, bah, non, 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 not on my watch, vous ne ferez pas ça sur euh, voilà. avec, euh, votre, ma, votre techno, donc ils ont dit ok, nous on veut introduire une technologie, on ne peut pas le faire avec la technologie de, 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 de cartographie, fin, de, cartographie de, de Google, donc il faut qu'on lance ça. Donc. Il faut qu'on lance. Le ouais. truc, c'est que bah, voilà. Google a mis combien, 8 ans euh, à avoir un, pour avoir un truc correct, enfin, qui, qui tiennent bien la route, euh, ouais. c'est qu'à dire. Non, Google, non, non, de Google, Google, non, Google a travaillé pour Google, 8 ans ans pour, 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 Google pour, Maps. Ce, ce oui, qu'il y a oui, d'amusant oui, oui. aussi dans cette histoire, c'est que donc Apple lance plan, très vite fait son mea culpa en disant ah. même si je me souviens Tim Cook était voilà monté même au crâne en disant. On reconnaît il avait fait une lettre ouverte. Et vrai. ce qui est amusant, c'est qu'il recommandait même, il y avait eu un communiqué de presse en disant qu'il recommandait Google les Maps. Google Maps, en ouais, fait, ouais, en, ouais, en disant laissons fait. tomber euh, pour l'instant, installer Google Maps, ça marche beaucoup mieux Mais c est, c est, ça, ça, par pour contre, pour le coup, c'était assez surprenant de la part d'Apple qui est, bah rarement hein, s'excuse. Même euh, ouais, pour c'était difficile, effectivement. Il y avait un méa pas pour Voilà ce 01 live spécial iPhone qui se poursuit, mais juste avant, un petit tour du côté de la question 01 net orange. Comme chaque semaine, on vous invite à voter. Dites-nous ce que vous attendez du nouvel iPhone qui sera présenté ouais. euh, en principe à la rentrée. Euh, parmi ces trois fonctions qu'on devine, un écran bord à bord, un, un capteur d'empreinte la reconnaissance faciale. Euh, Donnez-nous votre avis, c'est intéressant. www.01nettv.com et vous cliquez sur le sondage, la question 01net Orange. Voilà, j'espère que en tout cas vous passez un bon moment avec nous. C'était euh, c'est toujours hyper intéressant de revenir quand même sur toutes ces sur cette histoire de, de, de ce smartphone qui a quand même changé pas mal de choses <laughs> dans notre quotidien. Les anciens combattants. Pierre Fontaine est là et Jean-Sébastien Zanqui nous a rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Sébastien. Jean et pour cette troisième partie donc de ce 01 Live spécialisant d'iphone on va se projeter eh bien vers le futur, les eh bien, amis. Oui, je... et imaginez à quoi va ressembler le futur iPhone qui sort là, si tout va bien d'ici la fin de l'année, les rumeurs ne manquent pas, hein Pierre. Oui, elles sont très très, no... enfin, elles sont très nombreuses depuis très longtemps et surtout euh, elles n'ont pas fini de varier parce que il euh, y a une chose qui semble vraiment poindre, c'est que euh, alors qu'on en est en juillet, hein, on peut le dire officiellement, je n'ai pas de scoop. On vient d'avoir une note AFP qui vient de tomber. La, voilà, juillet. La, 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 la phase de prototypage des iPhone 8 ou quel que soit leur nom ne semble pas encore être terminée, euh, ce qui veut dire Plusieurs choses, c'est qu'il y a encore plein de rumeurs qui tournent dans tous les sens, parce qu'il y a encore plein de modèles qui circulent. Ce qu'on voit là, c'est... Voilà, du coup, et oui. ce qui veut dire que du coup, la phase de production de masse n'est pas encore commencée, ce qui veut dire que euh, si, même si a priori, ils vont tenir un calendrier d'annonce en septembre, euh, il n'y aura pas forcément suffisamment d'iPhone 8 euh, au lancement. Voilà. Alors, Jean-Sébastien, visiblement, il y aurait trois iPhones cette année. Oui, alors euh, en fait, il y aurait effectivement l'évolution des iPhone 7 et 7 Plus actuels. Donc, euh, comme classiquement, comme ça se fait. Mm -hmm. euh, donc, 7S. Une une sur et 7S voilà, exactement. Euh, et surtout, euh, il y aurait cet iPhone 8, iPhone édition, on ne connaît pas encore le nom, euh, qui lui aurait un design enfin complètement nouveau, puisqu'on rappelle quand même que les iPhone 7, c'est les designs des iPhones 6. Donc, euh, 6, 6S, 7, 7S. Ça fait quatre générations qu'ils ont plus ou moins le même design. Donc, ce, cet iPhone 8, lui, aurait euh, un écran qui occupe euh, toute la, occupe toute la face bord, avant. Ouais. Voilà, bord à bord, comme euh, sur le LG G6, comme sur le Galaxy S8, euh, avec un écran OLED enfin aussi. Euh, C'est une petite révolution quand même. Ben oui, c'est oui. une révolution et puis c'est alors ça va aussi participer à la, au faible nombre d'appareils disponibles. C'est que mmh. Apple, euh, il aurait peut-être bien voulu passer à l'OLED d'avant malgré la qualité de ses dalles Retina LCD, mais euh, il faut se mettre dans la queue pour en avoir. Quoi. Et, ça. et euh, même les, si les, on est Apple, on a du mal à avoir le premier. Et même quand on, on est Apple passe. et qu'on arrive, à, hey, moi je vous en prends 80 millions par trimestre. Il faut et avoir et les il faut la capacité de production. Surtout quand on les commande à il Samsung et LG qui vont. LG a construit des usines. Pour euh... Profiter de ses, pro... oui, voilà. de, de oui, ses tout écrans en premier. Il voilà. faut imaginer. Qui doit servir en premier. Ouais. Mais LG et Samsung ont construit des usines. Des usines oui, Spécifiques. Euh, euh, voilà, ont agrandi leurs leur usines même ouais, pour recueil, euh, ouais, pouvoir des faire de la, des la production. Recie, pour avoir euh, des, des, des plusieurs milliards de dollars pour pouvoir satisfaire les demandes. Donc écran bord à bord. C'est ça, ouais. Euh, écran AMOLED. écran donc AMOLED. Et puis, euh, voilà, il y a cette, cette grande question. est oui, le touch ID. Oui, le touch oui, ID oui, effectivement, oui, 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 voilà. ah bon. quand on a un écran qui est sur toute la face avant, on n'a pas de bouton d'accueil physique. Donc, où est-ce qu'on met le capteur d'empreinte digitale euh, La piste qu'on aimerait tous voir euh, se réaliser, c'est d'avoir ce capteur d'empreinte qui est intégré à l'écran. C'est-à-dire, on pose son doigt sur l'écran et, et euh, il voilà, y, y, y aura une partie basse de l'écran qui serait réservée. À une sorte de, de, de doc euh, et euh, qui, qui s'adapterait en fonction des usages, où pourrait euh, être euh, placé le, le, bah, le capteur d'empreinte digitale On ne serait pas obligé d'appuyer sur, sur la le bouton. Voilà, non, le, bouton, pour... le bouton physique disparaîtrait et il y aurait sous, le, sous, sous cette surface-là un lecteur d'empreintes qui serait caché sous la dalle qui serait micro -perforé. Alors c'est ça, c'est ce que disent certains brevets oui. d'Apple. C'est pour ça qu'on a des détails techniques, mais on ne sait pas si euh, le, ils, ont, ils ont réussi à passer de l'étape brevet à l'étape mise en production de masse. Parce qu'on sait que par exemple euh, pour le Galaxy S8, euh, Samsung voulait le faire et n'a pas réussi à le faire. Alors, par ils l'ont mis derrière. Ils l'ont mis derrière sur le, ça. Pour, chez Samsung. Et donc est-ce que Apple, en ayant un peu plus de temps, aura à le faire ou pas Ça, c'est une première question. Et puis il y a surtout là, il y a une, une piste qui semble émerger, mmh. qui a été mise en avant par un analyste, Michiko, qui est un analyste qui est plutôt plutôt connu pour euh, être fier, euh, fide, euh, fiable pardon, ouais. en, en, euh, pour tout ce qui touche à Apple. Et puis, ça a été corroboré le lendemain par Mark Gurman, qui est un journaliste de Bloomberg, qui euh, est un petit peu... Qui, je, sais pas, je pense qu'il a un bureau à côté de celui de Tim <laughs> Cook. Il a des infos super fiables aussi, euh, qui disent qu'en en fait, Apple se serait complètement débarrassé du Touch ID et euh, utiliserait une techno de reconnaissance faciale 3D euh, pour débloquer l'iPhone. Ah bon. voilà. Dans la nuit, ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Dans, la dans la nuit de l'hiver. Dans la nuit de l'hiver. Euh, circonstances, dans circonstances bien sûr. Ouais, voilà. Donc, mais ça, pour l'instant, ce ne sont effectivement que des rumeurs euh, et, euh, et c c qui, qui, qui reposent sur différents prototypes. Et on sait que Apple euh, teste certaines techno dans un prototype et pas dans d'autres, etc. Donc, c'est difficile d'avoir un portrait très, très fiable. Apple reviendrait aussi au vert comme le, à l'époque du 4S ouais. et mm -hmm. du 4 c'est oui, en hein, fait même y à l'arrière façade vert avant et arrière et puis un alors, toujours d'après les dernières dernières fuites ou je sais pas enfin en tout cas voilà de, oui, de Mark oui, Gurman il euh, y aurait effectivement un cerclage métallique très fin autour euh, avec des qu'on verrait avec à peine, diamants, mais qui serait très très, très 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 fin. Ouais. Voilà, ça. et l'induction qui pourrait aussi faire son apparition. Aussi, oui, la recharge par induction. Après, est-ce que Apple, du coup, si elle va laisser le port de Lightning ou pas Est-ce qu'ils aimeraient arriver à un smartphone sans plus aucune prise après le port Jack Enlever ah ouais. le port Lightning, ça paraît quand même un petit peu, un petit peu osé, bah, je pense. Ils ont une techno-maison qui leur permettrait de ne plus avoir de, de port, donc plus de, de, de trous pour une prise d'eau, enfin pour une autre d'eau. Oui. C'est les smart connecteurs hein, qui sont présents dans, les, dans, dans, bah, dans tout ce qui est euh, iPad Pro, iPad Pro euh, ouais. notamment et qui euh, permet de recharger, de transférer de la data euh, sans avoir à avoir une, bah, une entrée d'eau mmh. ou une voie pour la poussière mmh. dans un appareil. Bon, très bien. Et alors si on se projette beaucoup beaucoup plus loin, euh, l'iPhone de dans 10 ans, ça pourrait être quoi ouais, C'est euh, un peu amusé à essayer de, 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 de voir Gouin. ce que ça donnerait, mais ouais. euh, alors c'est <laughs> pas évident à savoir parce que euh, en général en <laughs> quand debout. on quand on se projette sur 10 ans, euh, on est à peu près sûr de se planter, ouais. hein, en vrai. Euh, mais bon, les, mais globalement, quand on voit les tendances, on se dit alors, est-ce que euh, effectivement tout ce qui est interface vocale, ça ne ça, ça prendrait pas la place de, de l'interface tactile euh, Mais dans ce cas-là, est-ce euh, qu'on n'aurait plus d'écran Est-ce que euh, l'iPhone serait une sorte de combinaison de l'Apple Watch connecté à une, une paire de lunettes sur laquelle on aurait de la réalité euh, augmentée ouais. euh, sur ces lunettes pour quand même avoir de l'affichage parce que comment on jouerait sans, ah oui, sans cool. écran, etc. C'est c'est toujours un peu un peu compliqué de de se dire à quoi ressemblerait l'iPhone. Effectivement, ça pourrait ne plus être un parallépipède tel qu'il existe. Mais ça pourrait aussi être un parallépipède le tel qu'il existe. Le mythe de, de l'écran souple, euh, oui, pliable, euh, oui, 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 pliable, pliable, etc. Voilà, Après, c'est euh, vrai que c'est un, un fantasme, mais il faut aussi. Il y a plus de choses du côté de Samsung. Il faut, voir, présent, il, faut voir Samsung. il faut voir ce que ça apporte en termes d'usage et de, de confort d'utilisation au quotidien. Alors, effectivement, quand ah, très bien JS. ça de la gueule. Oui, mais très souple. est Est-ce que c'est pratique à utiliser Et puis le problème, surtout, c'est l'écran est souple, mais alors les batteries souples, moi, j'en connais pas encore. Comment on l'alimente, tout ça C'est un technique Là, il faut se dire qu'après, euh, on peut avoir une accélération technologique euh, très importante qui va complètement changer le, le facteur de forme. Mais pour l'instant, on a un facteur de forme qui est relativement éprouvé qu'on peut améliorer, qu'on peut perfectionner, mmh. euh, qui peut effectivement et euh, chez Apple il y a une certitude, c'est qu'on croit beaucoup à la réalité augmentée. D'ailleurs mmh. la AirKit qu'on a vu qui ouais. a été annoncée mmh. en juin dernier à WWDC, qui permet de, de créer des applications en, en réalité augmentée. Euh, tout, tout ça, on sait que c'est très important dans l'esprit d'Apple et on peut effectivement, comme le dit J.S., imaginer que le smartphone euh, va euh, au, au moins dans une première étape euh, s'enrichir d'une extension qui pourrait être des lunettes. Comme l'Apple Watch, on aurait une paire de lunettes. Voilà, Ce qui est, on, peut, on peut imaginer. Et petit à petit se on... désolidariser du téléphone pour avoir un smartphone bah, vraiment ça, dans ses. Ça va dépendre de la puissance de calcul qu'on peut mettre, ouais. de la batterie qu'on peut de mettre batterie, dedans, et puis aussi de la réception que les gens vont en oui. faire. Parce qu'on a bien vu avec les, les lunettes, les Google Glass, euh, sur le papier c'était super, mais. mais ça, sert euh, pas grand -chose. ça, ça bah, Là, les, les, il faut voir les usages qui viennent avec. Mmh. Mais c'est surtout que c'était euh, assez euh, intrusif, problématique, ouais. intrusif et problématique Mais parce qu'il y a plein que de voilà. gens qui se sentaient espionnés. La société n'est pas prête aujourd'hui. Donc, il faut, il faut, de... il va falloir, oui, il faut que les gens... Voilà. il faut que les gens monde usages est prêt à mettre des les, lunettes les, alors La, la mentalité des gens... C'est parce que la, la Google Glass avait une caméra. On pourrait ouais. avoir des, des lunettes sans caméra. Juste pour la partie réalité virtuelle comment se passerait de l'appareil photo Non, non, et puis même si on veut faire de la réalité augmentée, il faut quand même filmer ce qu'on voit pour faire une projection. Oui, oui. Bon, en tout cas, si Apple nous écoute, ce qui serait bien, c'est qu'il progresse sur la batterie, parce que c'est ce qu'on... On regrette mmh. toujours à chaque ouais. fois avec les smartphones. Hein. C'est l'autonomie qui, elle, ne progresse pas voire baisse. Il y a beaucoup de technologies. Euh, euh, sur, sur les dernières générations, existe, enfin ouais. la dernière génération, elle est, elle est repartie un petit peu à la hausse, mais effectivement. Enfin, c'est euh, on Il y, hein. y, y, y a quelque chose d'intéressant justement sur alors, si ça s'avère sur l'iPhone 8, c'est que euh, Apple aurait changé de format euh, de, de carte mmh. logique. Il aurait une carte logique euh, en sur, on va dire en étage, ce qui lui permettrait de faire quelque chose de beaucoup plus compact pour laisser de la place. Ah une ah une batterie, batterie. Ah une batterie voilà. en L un peu plus grosse qui lui permettrait de tenir plus longtemps. en fait L'iPhone voilà. du futur c'est une batterie. Voilà, c'est une ça. bonne grosse Exactement. batterie de camion. Une grosse batterie avec une puce ouais. sur le côté. Alors que l'iPhone du présent c'est un iPhone plus une batterie rechargeable. Ça. À côté. C'est ça le, le power bank. Voilà. Bon, eh ben bien est voilà, est... ce 01 Live spécial 10 ans de l'iPhone c'est fini. Oui, allez, dernier tour du côté de la question 01Net Orange, le petit sondage hebdomadaire. Euh, Dites-nous ce que vous attendez du euh, nouvel iPhone qui sera présenté à la rentrée. On en parlait un instant. Euh, la reconnaissance faciale, un capteur d'empreintes sous l'écran, un écran bord à bord, qu'est-ce qui vous ferait le plus euh, plaisir parmi ces trois innovations possibles Merci à Jean-Sébastien Zanqui, merci à Pierre beaucoup. Fontaine surtout d'être venu euh, ah ce rien. soir. Pourquoi surtout il était bien aussi Jean-Sébastien Parce que Pierre est <laughs> ouais, là, de, long, de, hein, est est là depuis le début. Par contre, ouais, pour moi ça. Je veux dire, merci surtout à Pierre Thiolin et Thomas Remiret, parce que là ils ont ouais. un peu souffert aujourd'hui. Regardez <laughs> les dépôts, ils sont là, ils n'en peuvent plus. Parce qu'on a eu de, des, des problèmes <laughs> techniques, c'est vrai. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on est en logique différé ce soir, mais bon, on voulait absolument partager avec vous ces 10 ans de l'iPhone. Et merci aussi à Noémie qui a produit cette émission. Euh, on se retrouve très vite. Portez-vous bien. À très bientôt sur et bonne Zeman, Soirée TV.